quelle idée j'ai eu de prendre des rendez-vous juste avant le réveillon. Le foie gras, avec un petit mais un tout petit grain de sel de Guérande, arrosé d'un Sauterne 89, ça, c'est royal. Bon, il faut que j'accélère celui-là parce que j'en ai encore deux qui attendent. Ça m'empêche vraiment de penser au plan de table. Crachez. Surtout ne réveillonnez pas si vous voulez que ça tienne. Crachez. Au réveillon. Quatre sortes de vin blanc, autant de rouge. Bon, ça devrait aller, je crois. Ouvrez. On laisse comme ça, ça devrait tenir. J'ai ouvert la dent. Si la douleur persiste au bout de 3 jours, vous me téléphonez. Si je comprends bien, mon réveillon est foutu. Ah, vous savez, le réveillon. Docteur. Entrez. Vous avez des misères ? Je dois avoir un abcès parodontal à 6 supérieur gauche. Ouvrez. Mais ouvrez ! Mais ça y est. C'est bien un abcès paro, on va enlever la dent. Il ne manquait plus que ça. Une extraction ce soir et toutes les 8 à ouvrir. Vous ne prenez pas de médicaments ? Vous n'êtes pas cardiaque ? Pas de diabète ? Bon, alors on y va. N'ayez pas peur, une petite complication. Ne bougez pas. Non, non. Non, non, c'est bon. J'en ai que la moitié. Quand j'offre un verre, c'est du champagne. Bon, vous passez à la gendarmerie, ils vous donneront toutes les coordonnées d'un dentiste de garde. Un seul remède, le réveillon. Bah, avec ce que vous avez à prendre, le meilleur remède, c'est encore d'aller vous coucher. Allez, bonne soirée quand même. Bon réveillon, docteur. Soyez sobre. Et de deux. Entrez. Je vous fais faire 10 heures supplémentaires. Ouvrez. Merci. Quelle idée de commencer cette implantation ce soir alors que j'ai toutes les huîtres à ouvrir. Implantable, il faut que j'accélère le boulot. Bon, je ne prendrai pas l'empreinte. Crachez. Rincez-vous. Bon, je ne pourrai pas finir ce soir. Après-demain, on verra. Mais c'est affreux. Vous n'allez pas me laisser comme ça. Je ne vous laisse pas comme ça pour le réveillon. Je vais vous faire une jaquette provisoire. Ah, vous m'aviez fait peur.
Allô? Docteur Belin? Oui. Un dévissement de dernière minute vous désigne comme praticien de garde cette nuit à partir de 20h. Mais vous croyez pas que c'est un scandale? J'ai un réveillon, moi. Oh, votre réveillon, vous savez.